à tous. Allez, je vous laisse arriver là tranquillement, ceux qui sont déjà connectés. En attendant, du coup, vous pouvez préparer, parce que la séance aujourd'hui est en deux parties, donc automassage et stretching. Donc en attendant, vous pouvez préparer, si vous avez chez vous, deux balles de tennis, une balle de golf, une grosse chaussette, type chaussette de foot ou collant, et un rouleau à pâtisserie. Oui, je ne suis pas fou, je vais tout vous expliquer. Donc je vous laisse préparer tout ça. Et puis du coup, rendez-vous à 10h hein, dans 2 minutes là. Voilà. Allez, à tout de suite. Bonjour à tous ceux que j'ai pas vu encore. Bonjour Christelle, bonjour Simone. Non, pas de problème Simone, pas de souci. C'est pas grave, je vois pas qui c'est. Odile, je vois. Non, pas grave, hein, si on n'a pas de balle de golf, on va faire avec ce qu'on a, hein, y a pas de souci. Je vais tout vous expliquer. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, hein, je réexplique. Donc aujourd'hui, séance en deux parties. Donc première partie, automassage. Donc je vais tout vous expliquer. Et deuxième partie, stretching. Donc pour l'automassage, vous avez besoin, donc si vous avez donc de deux balles de tennis, une chaussette de foot hein, ou un collant, voilà, une grosse chaussette même de ski. Hein. Donc du coup, un rouleau à pâtisserie, et oui. Et qu'est-ce que j'ai oublié? Et c'est tout, hein. Et une balle de golf, oui, si vous avez une petite balle de golf, voilà. On fait avec ce qu'on a. D'habitude, hein, quand je fais le cours d'automassage, hein, on a tout ce qu'il faut. Et là, on va essayer quand même de continuer de faire les automassages avec le matériel qu'on a. Bonjour Elisabeth. Allez. On va pas tarder. Ok, bonjour Brigitte, elle a tout, super. Allez, donc je vois que ça commence à se connecter, il y a plus de vues. Donc je répète hein, pour ceux qui viennent d'arriver, donc séance en deux parties, donc automassage et stretching, donc automassage en premier. Donc si vous avez deux balles de tennis, une balle de golf, une grosse chaussette et un rouleau à pâtisserie. Allez, on va commencer tranquillement. Donc avant l'automassage, on va commencer par un petit peu d'échauffement hein, pour pas faire les automassages et les étirements à froid. Donc tranquillement, voilà, on va mettre les épaules vers l'arrière. Voilà, donc, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que
que tout va bien chez vous. Que vous êtes toujours aussi content là, des séances en direct. Bonjour Carole, ça arrive là petit à petit, ça se connecte. Que la connexion est meilleure que mercredi. Allez, vers l'avant, je peux mettre les mains là, sur les épaules. Du coup, hein, mercredi, j'avais tenté de mettre deux écrans. Ça n'a pas été très bien, il y a eu des problèmes de connexion. Donc là, aujourd'hui, j'ai mis qu'un écran hein, et c'est que sur Facebook. Hein. Bonjour Nadine. Ah, et les poignets. Voilà, important, parce qu'avec les automassages, on va se mettre au sol. Donc de bien échauffer les poignets. Salut Paul. Voilà, Paul, je joue au tennis avec lui, donc normalement, il a deux balles de tennis. Hein. Allez, un petit peu les coudes là. Je mets la main juste en dessous et je passe à l'intérieur et je ressors. Allez, ceux qui ont fait du cardio en faux là mercredi, j'espère que vous n'avez pas trop de courbatures. Qu'on force un petit peu là aujourd'hui sur les étirements. Allez, l'autre côté. Bonjour Catherine, merci. Ça fait plaisir là, de voir des messages. Allez, les genoux, je colle les deux pieds ensemble et je fais des petits cercles là, dans un sens. Allez, l'autre côté. Allez, encore une fois, chaque côté. Et une dernière fois de l'autre côté. Ok. Allez, là je vais monter sur la pointe de pied. Voilà. Ok, je relâche. Je vais inspirer à me grandir. J'attrape les deux mains. Et je souffle, je relâche. Allez, encore. Ah, Elisabeth, un petit peu de mal à descendre l'escalier jeudi matin. Ouais. C'est normal, hein. Cardio en faux. Ne vous inquiétez pas, moi aussi, hein. J'ai eu des courbatures. C'est pour ça que c'est important de faire les automassages, là, les quelques exercices que je vais vous montrer. Je vais vous expliquer. Allez, encore une fois, j'inspire, je me grandis. Sans bloquer la respiration, je tiens les deux mains et je souffle, je relâche. Je vais fléchir légèrement les genoux. Je vais aller chercher le sol là, tranquillement. Relâcher les bras, les épaules, la tête en fléchissant légèrement les genoux. Voilà, et là je tends les jambes, je souffle, je remonte progressivement en mettant les épaules dans l'axe et la tête en arrière. Voilà. Allez, encore une fois, je souffle, je descends. Voilà, je relâche les épaules, la tête, les bras. J'inspire et je tends les jambes, je souffle, je remonte. Voilà, progressivement. Ok. Alors, on va commencer par les automassages. Donc, pourquoi commencer par les automassages hein, les automassages, donc, en fait, c'est des... Quand on fait l'automassage, en fait, c'est pour diminuer en fait les tensions musculaires. Hein. Donc, quand on fait un effort ou même sans effort, des fois, on a quelques tensions musculaires. Donc, ce qu'on appelle des nœuds musculaires qui peuvent se situer en fait entre vos muscles. Donc l'idée c'est de commencer par le bas du corps et de remonter, comme ça on n'oublie pas chaque zone.
Pourquoi? Parce que quand on, en fait, quand on oublie hein, une zone, ce qui peut se passer, c'est que par exemple, si j'ai une tension musculaire au niveau de la cuisse, si je fais que la cuisse, après, en fait, ça peut faire un effet domino, il peut y avoir d'autres tensions ailleurs. Donc, du coup, l'idée, c'est vraiment de faire, quand on peut, de faire du bas en haut, comme ça, on n'oublie pas les zones. Voilà. Et pour tout vous expliquer, en fait, pourquoi on commence avant les étirements? Parce que, admettons, je vais donner un exemple avec l'élastique. Avec l'élastique, quand vous allez faire un nœud, donc hein, je vous rappelle, nous c'est pour estomper le nœud musculaire qu'on fait l'automassage. Donc là, l'élastique, on va dire que là, ça c'est le nœud, hein, le nœud musculaire. Quand je vais étirer, donc quand on fait un étirement, qu'est-ce qui va se passer? Le nœud, il va se rétrécir. Donc quand il se rétrécit, il est plus petit et c'est plus dur d'automasser cette partie. Donc c'est pour ça que c'est bien de commencer l'automassage avant, comme ça on la tension musculaire. Bah, du coup, c'est complémentaire et ce sera beaucoup mieux que de faire l'étirement avant et du coup bah, de rétrécir ce nœud musculaire et après que ce soit plus dur à aller chercher. J'espère que vous avez un petit peu compris. Voilà, j'ai essayé de donner un exemple avec l'élastique. Donc on va commencer. Donc je vous laisse prendre une balle de tennis. Si vous n'avez pas de balle de tennis, vous pouvez prendre une balle de golf. Voilà, la balle de tennis, c'est quand même plus, à dire, la balle de golf, c'est un peu plus dur. Donc au départ, c'est bien de commencer avec la balle de tennis. Donc des balles de tennis, hein, il y en a de toutes sortes, hein, il y en a des plus dures et des plus molles. Hein. Donc prenez ce que vous avez chez vous. Voilà. Je vais la mettre sous le pied. J'espère que vous voyez bien. Je mets sous le pied, ici. Donc on va commencer hein, par le bas du corps. Et au départ, ce que vous pouvez faire, c'est juste appuyer un petit peu avec la balle de tennis, voilà, avec le pied, 15-20 secondes. Voilà, donc 15-20 secondes. Et après, je vais rouler avec le pied. Voilà, je vais essayer d'appuyer doucement. Donc, à savoir, hein, les automassages, donc c'est bien hein, pour les tensions musculaires, essayer d'estomper ces tensions musculaires. Ça favorise hein, donc la récupération. Ça joue aussi sur la circulation sanguine. Donc ça, c'est très important. Hein. Là, du coup, en période de confinement, on bouge un petit peu moins. Donc bah, du coup, la circulation sanguine, c'est bien de la travailler. Et du coup, ça joue aussi hein, sur la cellulite, hein, je vous ai dit. Et il y a une étude qui est sortie là, il n'y a pas longtemps. Ça joue aussi sur la qualité du sommeil. Voilà, donc ça peut être sympa hein, pour ceux qui ont du mal un petit peu à s'endormir. Voilà, on va changer de pied. Donc si vous en avez qui veulent un petit peu plus de pression, hein, vous pouvez prendre la balle de golf si vous en avez une et appuyer un peu plus. Hein. L'idée c'est d'essayer d'appuyer au départ un petit peu, 15-20 secondes, et après de faire rouler avec le pied. Hein. Donc les automassages pour que ce soit efficace, c'est bien de le faire plusieurs fois dans la journée. Donc par exemple, là, l'idée c'est de faire ça sur 2 à 3 minutes sur une zone, voilà, qu'on peut répéter plusieurs fois dans la journée hein, quand on en ressent le besoin. S'il y en a qui ont, parce qu'il y a aussi des petites précautions à contre-indications d'automassage, s'il y en a qui ont par exemple eczéma, phlébite, arthrite rhumatoïde, du coup ostéoporose aussi avancée, diabète avancé, c'est mieux quand même de voir un médecin avant, hein, c'est conseillé. Voilà. Et si vous n'êtes pas sûr hein, sur certains mouvements, ne les faites pas. Voilà, ne vous faites pas mal. Donc, ça, ce mouvement-là, on peut le faire aussi hein, sur une chaise. Hein. Sur une chaise. Je m'assois sur la chaise. Voilà, je fais rouler la balle tranquillement. Hein. Le but, c'est d'essayer quand même de mettre un petit peu de pression. Hein. Voilà. Un petit peu de pression. Un automassage, c'est pas forcément confortable. Hein. L'idée, c'est d'éviter la douleur.
Mais voilà, si on a une douleur, en fait, si, pour vous donner une idée, sur 10, par exemple, sur une note sur 10, si on se situe entre 5 et 7, au niveau du seuil de douleur, voilà, c'est ce qu'il faut, quoi. Si on est en dessous, c'est qu'on n'insiste pas trop. Si on est au-dessus, là, par contre, au-dessus de 7, bah, voilà, c'est pas très confortable et du coup, la douleur... Ok, donc là, c'était au niveau du... niveau de la plante des pieds. Hein. Donc là, maintenant, on va faire les mollets. Donc les mollets. Donc ça, hein, vous pouvez le faire plusieurs fois dans la journée. Donc au niveau des mollets, donc là, on va prendre le tapis. Tac, voilà. Je me mets au sol. Et on va prendre le rouleau à pâtisserie. J'espère que vous en avez un chez vous. Donc, non, je ne suis pas fou. Le rouleau à pâtisserie, au départ, il y a eu beaucoup de scientifiques hein, qui ont commencé avec le rouleau à pâtisserie. Parce que maintenant, il y a beaucoup de ce qu'on appelle des sticks, donc c'est des bâtons d'automassage, qui sont faits comme un rouleau à pâtisserie pour automasser. Voilà, donc au départ, ils sont inspirés du rouleau à pâtisserie. Hein. Donc là, on fait avec ce qu'on a. Donc, on va mettre le rouleau là, au niveau de la cheville. Ici et je vais commencer, donc je vais faire de bas en haut, voilà, et je remonte doucement, j'essaye d'appuyer doucement, d'aller chercher sur le côté, voilà, j'essaye de bien appuyer progressivement, alors en même temps ça fait les bras, hein. Ah, donc pareil, hein, ce mouvement on peut le faire sur une chaise, hein. Je peux me mettre sur la chaise. Voilà. L'idée c'est d'essayer d'être confortable. Hein. Voilà, donc on essaye de faire ça hein, sur 2 à 3 minutes. Voilà, attention à ceux qui ont des fermetures éclair en bas du pantalon, ça peut faire mal. Hein, donc, l'idée pour l'automassage aussi, c'est bien d'avoir quelque chose, un pantalon assez serré, hein. Pas très ample. Voilà, j'essaye d'insister, de ne pas oublier les zones. Ok, donc là, un petit aperçu avec le rouleau, donc vous pouvez faire ça hein, sur 2 à 3 minutes, comme je vous ai dit. Après, donc l'autre côté. Hein, toujours entre 5 et 7, hein, pas plus. C'est vous qui gérez à l'intensité. Hein. Si vous n'avez jamais fait d'automassage au départ, n'appuyez pas trop. Hein. Voilà. L'idée, c'est petit à petit, quand vous allez automasser, quand vous allez faire hein, le plus souvent possible, après vous allez avoir de moins en moins mal. Hein. Donc l'idée, après, ce sera d'essayer d'appuyer un petit peu plus à chaque fois. Hein. Assis, vous avez vu, sur un tapis ou sur une chaise. S'il y en a qui veulent mettre un petit peu plus de pression qu'avec le rouleau, là on peut prendre donc une grosse chaussette et mettre donc les deux balles de tennis dedans. Donc je mets les deux balles de tennis dedans. Voilà. Si on a qui n'ont pas les deux balles de tennis et la chaussette, hein, continuez là le mollet avec le rouleau hein, légèrement. Voilà. Voilà, là du coup avec, le, avec les balles, hein, on aura beaucoup plus de pression. Donc, vous voyez donc là, j'ai mis les deux balles dedans, ça fait ça. Après faites un nœud pour pas voilà, que les balles partent dans la chaussette. Il faut bien que ce soit serré. Vous pouvez faire plusieurs nœuds. Hein. Hop. Si un jour vous avez automassé avec un rouleau, vous ne l'aurez pas cru. Hein. Et ouais, tout ce qu'on fait pendant un confinement, tout est possible. Allez, donc là j'ai fait un joli nœud. Et quand vous êtes prêt, les deux balles, donc juste en dessous de la cheville.
bien juste en dessous. Là, l'idée, c'est d'avoir la jambe en dehors du tapis. Hein. C'est toujours mieux, voilà, pour bien que ça roule. Là, je vais décoller un petit peu sur les paumes de main. Là, j'ai une jambe en appui à côté. Et je vais rouler tout doucement. Voilà, en essayant de mettre un petit peu de pression, tout doucement. Voilà, toujours là, de bas en haut. Quand je commence, et après, je reviens. Hein. Voilà, donc là, il faut bien que la chaussette soit bien serrée hein, pour que les balles ne partent pas dans la chaussette. Hein. Vous voyez, le profil, hein, ça fait comme ça. Hein. Là, hop. Voilà, j'essaye de monter jusqu'à l'arrière du genou. Hein. Voilà, j'essaye de souffler profondément. Pareil dans l'inspiration. Voilà, fondez lentement. Donc l'idée hein, c'est de faire ça pareil sur 2 à 3 minutes. Si on a faire avec le rouleau, faites avec le rouleau. Hein, si vous êtes plus confortable avec le rouleau. Là l'avantage avec les balles, hein, c'est qu'on peut mettre un petit peu plus de pression là. Hein. Avec le poids du corps. J'espère que je ne vous ai pas tous perdu là sur la première partie. Ceux qui n'ont jamais fait d'automassage. Je peux aller chercher un petit peu sur le côté. Hein, sur le côté. Voilà. Donc aujourd'hui, on ne va pas faire les 2 à 3 minutes. Hein. Là, c'est pour vous montrer ce que vous pouvez faire à la maison. Hein. Voilà, si au départ, on fait déjà 1 minute 30, c'est bien. Hein. Voilà, pour qu'on puisse voilà, répéter plusieurs fois dans la journée. Ok, je relâche. Ah, donc là, c'était pour tout ce qui était partie mollet. Donc ça peut être soit avec hein, les balles, dans une chaussette ou un collant. Hein. Ou avec le rouleau à pâtisserie, hein. Ok. Allez, du coup maintenant, on va faire pareil. Donc là, l'arrière de la jambe. Donc en bas, en haut, derrière le genou, hein, jusqu'au fessier. Voilà. Donc là, on peut continuer toujours avec les deux balles ou avec le rouleau. Donc avec le rouleau, simplement, je passe en dessous et je tomasse. Vous voyez la partie arrière. Hein. Donc pareil, je peux le faire sur une chaise. Ou je peux même le faire hein, allongé sur le tapis. Vous voyez où je relève une jambe. Pointe de pied en direction du plafond. Et je passe sur toute la zone. Hein. Voilà, j'oublie pas le côté. Donc soit avec le rouleau sur cette partie, soit avec les deux balles. Allez, donc là faites-le chez vous hein, entre 1 minute 30, 3 minutes sur chaque zone. Donc là, hein, pareil, je mets les deux balles juste là à l'arrière hein, du genou. Voilà, et je vais rouler jusqu'au fessier. Doucement, en appuyant doucement au départ. Et après, je roule tout doucement. Ce que vous pouvez faire aussi au départ, hein, c'est juste. Donc, si vous avez une tension là, à un niveau, hein, au lieu de faire toute la zone, vous pouvez juste mettre la balle. Là, et rester sur cette zone. Là, pendant 15-20 secondes. Là, j'appuie doucement dessus. Et après, je commence à rouler. Hein. Avec les deux balles toujours hein, soit avec le rouleau. Donc pareil, c'est vous qui le faites hein, comme vous le sentez, hein, comme vous le ressentez. Si vous préférez le rouleau, si vous avez plus de sensations, parce que normalement là,
On utilise un vrai rouleau de massage hein, pour avoir plus de pression. Mais à la maison, si vous n'en avez pas, hein, avec les deux balles, c'est déjà bien. Hein. Faire plein de choses hein, avec deux balles de tennis hein, et un rouleau à pâtisserie. Je relâche. Allez, maintenant on va passer à la partie donc fessier hanche. Donc là on peut prendre soit bah, on garde les deux balles bah, dans la chaussette. Donc là on met le fessier dessus et on roule tout doucement juste sur le fessier. Donc là ça masse hein, une plus grosse partie. Hein. Sinon on peut faire qu'avec une balle. Une balle. Et là, je mets la balle sur le fessier. Hop, voilà. Je tends la jambe. J'ai toujours une jambe d'appui à côté. Voilà, et toujours hein, 15-20 secondes sur le point de tension où je commence là, à rouler tout doucement, comme si je faisais un arc de cercle. Voilà. Donc, je tends la jambe, je recule. Je roule doucement dessus. Donc soit avec les deux balles, soit avec une balle. Avec une balle, ça permet d'aller chercher un petit peu plus sur les côtés aussi, d'appuyer un peu plus. Voilà. Donc un côté, le deuxième. Et sur cet exercice, s'il y en a qui veulent tous encore un petit peu plus, soit un peu plus... Voilà, sur le Thomas un peu plus, qui est plus de tension, qui est plus de, pardon, pas de tension, de point de contact, pardon. Vous pouvez prendre la balle de golf. Donc la balle de golf, hein, vous la mettez pareil sur le fessier. Et là, hop, vous appuyez doucement dessus. Là, c'est mieux de la garder sur le tapis pour pas que ça roule. Hop, là, ça roule un peu là sur le carrelage. Voilà. Donc là, ça fait un peu plus mal avec la balle de golf. Hein. Je vous rappelle, douleur toujours entre 5 et 7. Hein. Si vous avez une douleur plus que 7, entre 5 et 7 sur 10, hein, faites ce qui est bon pour vous, hein, si vous préférez prendre la balle de tennis. Voilà. Alors, n'oubliez pas hein, de faire l'autre côté. Principe de l'autre côté. Donc au départ on n'a pas forcément de résultat tout de suite hein. L'idée c'est pour ça que c'est bien de le faire entre 2 à 3 minutes hein, sur chaque zone, de bien insister au départ et de le faire plusieurs fois dans la journée hein. En commençant du bas jusqu'en haut. Hein. Ok, voilà, donc là c'était partie fessier. Hein. Maintenant on va voir partie quadriceps. Le quadriceps, hein, muscle de la cuisse hein, devant. Donc là pareil, vous pouvez le faire sur une chaise ou même debout là, hein, ou sur le tapis. Hein. Donc là avec le rouleau, pareil. Le bas en haut, vous appuyez doucement avec le rouleau. Voilà, n'oubliez pas de souffler. C'est celui-là hein, qui est très bon pour la cellulite, là, celui-là. Hein. Voilà, n'appuyez pas trop fort au départ. Hein, le but, c'est pas d'avoir des bleus hein, tout de suite. Donc là, hein, vous pouvez le faire avec le rouleau. Voilà, avec le rouleau, c'est bien, on peut passer partout.
Donc ça peut être un assis, sur le tapis, ou debout. Hein. Ok, n'oubliez pas l'autre côté. Et pendant que vous faites l'autre côté, je vais vous montrer l'appareil. Si vous voulez que ce soit un petit peu plus dur, vous sentez un petit peu plus là, de point de pression avec deux balles de tennis au niveau de la cuisse. Hein. Donc on remet les deux balles de tennis dans la chaussette. Hop, on refait le nœud. Donc là, vous pouvez continuer chez vous, hein, le rouleau sur les cuisses. Pendant que je fais mon petit montage. Hop. Voilà, donc là, avec les deux balles, là c'est un petit peu moins confortable, hein, parce que d'habitude on le fait avec un rouleau. S'il y en a qui, avec un vrai rouleau, hein, du coup, s'il y en a qui préfèrent avec le rouleau à pâtisserie, faites-le avec le rouleau à pâtisserie. Hein. Voilà, sinon, là ce que je vais faire, j'espère que vous me voyez bien, l'idée c'est d'avoir une jambe qui va être sur le tapis et l'autre en dehors. Si vous avez un sol dur hein, chez vous, vous pouvez mettre un coussin, voilà, devant pour mettre les mains. Donc là je mets les deux balles juste au-dessus du genou. Je me pose là sur le coussin, la jambe ici écartée sur le côté, et là je vais rouler tout doucement, voilà, avec la cuisse. Je tends la jambe, j'avance, je recule, je souffle en montant. Vous voyez, donc là il y a plus de pression qu'avec le rouleau, parce qu'on est avec le poids de corps. Du coup c'est un petit peu moins confortable aussi, hein, mais voilà, c'est comme vous le ressentez chez vous. Hein. Donc l'idée c'est de faire ça pareil sur 2 à 3 minutes, au moins 2 minutes. Hein. Ok, et je relâche. Donc pareil de l'autre côté, donc soit avec le rouleau, soit avec les deux balles, hein, toujours. Si vous avez la chance d'avoir plusieurs tapis, c'est mieux. Après, c'est bien de le faire en dehors du tapis pour que ça roule mieux. Hein. Voilà, là, c'est un exercice très efficace hein, pour les cuisses. Souvent, c'est là qu'on a le plus de tension. Aussi dans les fessiers et dans le dos hein, aussi. Vous voyez, mes mains ne bougent pas. Hein. C'est juste la jambe qui avance, qui recule. Donc soit avec les deux balles, soit avec le rouleau. Hein. Voilà, donc là, je vous montre quelques exercices que vous pouvez refaire après à la maison. Hein. Là, je vais montrer un petit peu rapide. Ok, donc là, c'était la partie cuisse. Maintenant, on va voir donc la partie au niveau du dos. Si vous avez la chance d'avoir un gros rouleau à pâtisserie, s'il est super grand, on peut le faire et en faisant automassage comme ça. Après souvent, les rouleaux sont un peu petits, hein, donc du coup, on ne peut pas trop le faire avec le rouleau. Moi, j'y arrive pas avec le rouleau, il est trop petit. Donc là, vous pouvez prendre une balle de tennis dans une chaussette, là au départ. Voilà, et on va le faire debout contre un mur. Voilà. Hop. Donc là, j'ai qu'une chaussette, hein, avec une balle dedans. Voilà, j'ai que une balle dedans, pardon. Voilà, donc là je me positionne contre un mur. Là, je suis désolé, vous n'allez pas voir comme il faut là en détail parce que je ne peux pas changer la caméra.
Alors, vous mettez la balle derrière le dos, là comme ça, j'espère que vous voyez bien. Là, l'idée au départ, c'est d'essayer de ne pas être au milieu, là, tout de suite, hein, d'être sur les côtés. Donc, pour l'instant, on va faire qu'un côté. Donc, je tiens la chaussette, là, avec la main, comme ça, j'ai la balle qui ne part pas derrière. Voilà, et je la mets ici, avec le mur, donc sur le côté, là, au niveau des... J'essaye de ne pas rentrer là au milieu, hein, au niveau de la colonne. Voilà. Et j'essaye d'appuyer doucement, pareil, je fais haut en bas. Je descends, vous voyez, je fléchis un petit peu les jambes. Voilà. Et j'appuie doucement là, avec la balle au milieu du dos. Donc là, je vais aller chercher le côté. Au milieu. Voilà. Si vous êtes à l'aise là, vous pouvez enlever la chaussette. Faire qu'avec une balle. Hein. Voilà. Là, l'avantage de tenir la chaussette, c'est qu'on est sûr que la balle elle tombe pas. Hein. Voilà. Comme ça, je peux mettre les mains sur les genoux. Je peux essayer d'aller un petit peu où ça me fait un petit peu plus mal. Hein. Pareil, je peux tenir 15-20 secondes juste sur le point. Là, sans bouger. 15-20 secondes juste sur le point, ça me fait mal, sans rouler. Et après, j'essaie de rouler un petit peu. Voilà. Quand j'ai fait la partie haute, après je redescends un petit peu la balle plus basse et je fais la partie basse. Hein. Voilà. Allez, je peux faire pareil après de l'autre côté. Donc ça chez vous, après vous pouvez le répéter après la fin de la séance, sinon vous n'aurez pas le temps de faire du stretching. Vous pouvez le refaire, par exemple demain, hein, en essayant d'insister un petit peu plus. Hein. Sur la partie du dos, vous pouvez mettre même deux chaussettes, deux pardon, balles dans la chaussette pour qu'il y ait une plus grande surface, mais ça c'est bien de le faire après que vous avez bien fait les deux côtés, comme ça vous passez pas tout de suite là au milieu, hein. L'idée c'est de pas trop appuyer au milieu du dos là, hein. D'être bien sur les côtés. Voilà, du coup là je la mets pareil derrière, je mets les deux balles. Là, bah, ça me permet d'avoir une plus grande surface. Hein. Voilà. En même temps, on fait un peu de squat. Ok, donc là, c'était quelques exercices hein, d'automassage. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Du coup, là, on va passer à la partie étirement, hein, stretching. Voilà, donc, important hein, du coup, de faire l'automassage avant. Je vous l'ai expliqué au début. Pour essayer d'estomper déjà un petit peu les tensions musculaires hein, qui se situent entre les muscles. Si on fait les étirements en premier, ça va étirer, du coup le nœud va se rétrécir, donc ça c'est pas bon. Hein. Voilà. Donc, maintenant on peut faire les étirements. Alors je vous laisse vous mettre sur le tapis. Voilà. Hop, on va se mettre sur le tapis. Je me mets sur le tapis, je vais attraper les deux genoux, mais sans rapprocher les genoux proches de moi pour l'instant. Voilà, et là je vais attraper une jambe et la deuxième. J'attrape une jambe, voilà, et la deuxième, doucement. Voilà, j'attrape le genou, je peux souffler quand j'attrape le genou. Par la bouche. Ok, là je vais tendre une jambe au sol et j'attrape qu'un genou proche de moi et petit à petit en soufflant j'essaie de rapprocher le genou. Là. Voilà, petit à petit. Progressivement, sans un coup. Voilà, après avoir bien inspiré, petit à petit, j'essaie de rapprocher le genou. Ok, je change de côté, donc là, pareil, je recommence. J'attrape le genou, une fois à gauche, une fois à droite. Je souffle là, quand j'essaye d'attraper le genou. Quand j'attrape le genou, hein.
change de côté. Je tends la jambe et j'attrape le genou, celui que j'ai pas fait. Hein. Ok, je relâche, je tends les deux jambes, j'inspire, je me grandis, j'attrape les deux mains, là sans bloquer la respiration, je tends les jambes, je tends les bras, les pointes de pied, voilà, je cherche à me grandir, et je souffle, je relâche, voilà, je reviens les bras le long du corps. Allez, encore une fois, j'inspire, je me grandis, ne bloquez pas votre respiration. J'expire, je tiens la position. Et je souffle, je relâche. Et je vais attraper les deux genoux proches de moi. Et là, j'essaie de rapprocher les genoux. Petit à petit, hein, toujours progressif. Voilà, je tiens la position. Ok, je relâche. Allez, maintenant, je vais mettre les deux bras en croix. Et là, je vais descendre les jambes. Je vais coller les deux genoux, les deux pieds. Je vais descendre doucement les jambes sur le côté en soufflant. Voilà, une fois à gauche, une fois à droite. Donc, je souffle quand je descends. La tête reste dans l'axe. Je vais une fois à gauche, une fois à droite. Hein. J'inspire, je reviens et je souffle, je redescends. Hein. S'il y en a qui veulent prendre un peu plus de temps, vous pouvez même souffler en descendant, inspirer et souffler en remontant. Ok, là je vais revenir dans l'axe. Je vais aller chercher le genou gauche et je vais tendre la jambe droite, et là sans décoller l'épaule, hein, l'épaule doit rester au sol, là, l'omoplate sur le tapis, je vais tout doucement tirer sur le genou pour essayer de me mettre à l'opposé là, voilà, et j'ai le bras en croix, donc la main gauche en croix, hein, et après je mets la tête à l'opposé, donc je dois regarder ma main gauche. Petit à petit, j'essaie de descendre la jambe proche du sol. Allez, donc sur le côté, ça donne ça. Hein. Ouais, vous voyez, mais là, je dois pas mon dos doit être au sol. Hein. Si je décolle ici, là, c'est pas bon. Hein. Ah, si je vais pas jusqu'en bas, c'est pas grave, hein. J'essaye d'aller jusqu'où je peux aller, hein. Que je puisse aller, pardon. Et je relâche doucement en soufflant. Et je vais faire de l'autre côté. Allez, même principe, hein, de l'autre côté. Donc les bras en croix, je tends la jambe gauche. Voilà, et là, avec la main droite, j'appuie doucement là, sur la jambe pour faire descendre la jambe proche du sol. Pardon, avec la main gauche. Et je mets là le bras droit en croix. Et je vais regarder tout doucement
ma main en soufflant progressivement. Allez, sans décoller toujours, hein. À l'épaule. Ok, je relâche doucement en soufflant. Ok. Allez, là maintenant, je vais mettre une jambe, pointe de pied, direction le plafond. Et je vais attraper l'arrière de la jambe, l'arrière du genou. Et je vais essayer de rapprocher doucement la jambe vers moi. Voilà, avec la jambe à côté en appui, hein, au sol. Tiens la position, je force pas trop, hein. Ok, je relâche doucement en soufflant, toujours avec la bouche, et je change de côté. Voilà, pointe de pied direction de plafond, j'attrape l'arrière de la jambe, et progressivement, j'essaie de rapprocher la jambe vers moi, tout doucement, sans un coup. Voilà. Quand j'essaye de rapprocher la jambe vers moi, essayez d'expirer en quittant les poumons progressivement après avoir bien inspiré. Hein. Ok, je relève doucement. Et je vais coller les deux pieds ensemble, les deux genoux. Je colle les deux pieds ensemble, les deux genoux. Hein. Je reste allongé sur le tapis. Il n'y a que moi qui bouge là. Hop. Voilà. Et là, je vais descendre doucement sur le côté. Je vais coller les deux pieds ensemble, les deux genoux. Mettre le bras là, perpendiculaire. Paume de main, direction de plafond, j'essaie d'avoir la tête bien posée là, sur le haut du bras. Et je vais chercher le pied pour le mettre proche de la fesse. Voilà, tout doucement en soufflant, j'essaie de rapprocher le talon à la fesse. Hein. Voilà. Même si vous attrapez que la chaussette, c'est pas grave. Hein. Ok, je souffle, je relâche, je reste dans cette position. Là, je reste dans cette position et tout doucement, je vais essayer de remonter la pointe du pied vers moi. Voilà. Je remonte doucement en soufflant la pointe de pied. Voilà. Si ça tire trop, hein, je redescends doucement la jambe. Hein, toujours progressivement, après avoir bien expiré. Ne bloquez pas hein, votre respiration. Et j'expire, je redescends doucement la jambe. Voilà, je vais changer de côté. Allez, donc je change de côté. Même principe hein, là pour l'instant. Donc, je m'aligne bien la tête posée hein, sur le haut du bras. Et j'attrape le pied. Voilà, pour mettre le talon proche de la fesse, tout doucement, progressivement. Allez, je tiens la position. Hein. Voilà, restez dans cette position. On prend le temps, on souffle, on inspire bien, on expire bien.
Ok, je souffle, là, je relâche doucement. Et pareil que tout à l'heure, hein, je vais monter la pointe du pied doucement vers moi, progressivement. Voilà, sans bouger hein, l'autre jambe. Hein. Et pareil que tout à l'heure, hein, ça tire trop, je redescends doucement. Hein, on n'est pas là pour se faire mal. En même temps, on travaille aussi hein, la mobilité. Ok, là je souffle, je relâche. Et je vais me remettre sur le dos. Hein. Je rebascule sur le dos. Hop, voilà. Allez, je prends le temps et là je vais mettre les deux jambes en chaise renversée. Une jambe par-dessus l'autre. Allez, je vais me mettre de l'autre côté pour vous voyez bien. Je mets une jambe par-dessus l'autre et j'attrape le genou devant moi en relâchant la jambe arrière. Ah, j'espère que vous voyez bien. Là, je dois sentir l'étirement dans le fessier hein, si j'ai la jambe gauche par-dessus. Si je veux ressentir un petit peu plus l'étirement, je peux mettre la jambe ici, là au niveau du genou, là le pied hein, au niveau du genou, légèrement vers l'extérieur, la jambe. Et j'attrape l'arrière de la jambe qui est en chaise renversée. Voilà, j'inspire et j'expire progressivement, je rapproche la jambe. Voilà, je dois sentir l'étirement dans le fessier gauche. Hein. Voilà, si j'ai la jambe gauche là, au niveau du... qui est sur le côté. Hein. Prenez le temps dans vos inspirations et expirations. Allez, je change de côté. Donc soit la jambe par-dessus et j'attrape le genou devant moi en relâchant la jambe arrière si on sent déjà l'étirement. Si on veut aller un petit peu plus loin dans l'étirement, j'écarte un petit peu ici la jambe. J'attrape l'arrière de la jambe qui est en chaise renversée et j'essaie de la rapprocher tout doucement vers moi. Hein. Inspiration, expiration lente, profonde. Ok, je relâche doucement. Et je peux rattraper les genoux proches de moi. Voilà, je rattrape les genoux proches de moi. Je les genoux et je vais remonter tout doucement pour me mettre sur les fesses. Hop. Voilà. Allez, là je suis sur les fesses. Sur le tapis. Tac. Et je vais me mettre en tailleur. Voilà, je me mets en tailleur. J'essaie d'être bien droit. Ok. Allez, tout doucement, là je vais inspirer, me grandir, j'attrape les deux mains. Et je souffle, je relâche. Allez, encore une fois. Ok, là je vais aller chercher, je vais mettre un bras là, sur le côté. Je laisse glisser le bras sur le côté. Vous voyez ? Et avec le bras opposé, je vais monter le bras. Donc soit je reste ici là au milieu, soit je peux essayer d'aller chercher un petit peu plus. Voilà. En penchant légèrement hein, sur le côté, en inclinant. Hein.
Voilà, si je peux, hein, les fessiers restent en contact avec le sol, hein, je dois rester en contact avec le sol, hein. Et je souffle, je reviens progressivement. Allez, pareil de l'autre côté. Donc je descends doucement, je tends le bras, soit le bras dans l'axe, soit si je peux un petit peu plus loin, mais toujours hein, sans décoller le fessier. Hein. Si je décolle là comme ça, c'est pas bon. Hein. Allez, j'essaie d'incliner progressivement, hein, toujours. Je relâche et je reviens dans l'axe. Ok. Allez, là, je vais tendre les jambes et sans décoller hein, les jambes, je vais chercher les pointes de pied progressivement en soufflant. Donc là, vous voyez, je ne décolle pas les jambes, hein, les jambes sont au sol. Et là, progressivement, j'essaye d'aller chercher les pointes de pied. Voilà, si je peux aller chercher plus loin, aller chercher plus loin, hein, l'arrière. Là, de vos talons. Ok, je souffle, je relâche. Et je vais mettre la jambe gauche par-dessus la droite. Hop, voilà. Et avec le bras droit, je vais attraper mon genou, tirer vers soi et mettre la tête à gauche. Donc si hein, j'ai fait l'inverse, je mets la tête à droite. Là, si je veux ressentir un petit peu plus l'étirement au niveau du fessier, je peux rapprocher la jambe qui est tendue là, pour mettre le talon proche de la fesse. Voilà, progressivement toujours. Hein. Sinon, je garde la jambe tendue hein, devant. Voilà, c'est vous qui gérez là, hein, la difficulté. Ok, je souffle, je relâche. Et je vais faire l'autre côté. Donc la jambe passe par-dessus, j'attrape mon genou, voilà, avec le bras opposé, je tourne la tête sur le côté, je tire vers moi, et je peux mettre la jambe là, proche du fessier, le talon, pour tirer un petit peu plus. Hein. Et je souffle, je relâche progressivement. Ok. Allez, là, je vais mettre sur les genoux, je vais mettre les fesses sur les talons. Je vais aller chercher loin devant avec les bras en rentrant la tête. Et je vais aller chercher loin en avançant tout doucement les mains sur le tapis. Ok, je reviens doucement. Allez, je suis sur les fessiers. On va recommencer une fois. Donc soit ce mouvement-là, soit je vais aller chercher un petit peu plus loin en mettant les épaules alignées avec les poignets. Et je vais reculer un petit peu les jambes et mettre le ventre en direction là. Du sol et je remonte la tête. Voilà, j'essaie de garder bien l'alignement des épaules avec
les poignets, je remonte la tête en soufflant. Si ça tire trop hein, là dans le dos, je peux redescendre doucement là sur les coudes, en alignant les coudes avec les épaules. Sinon je reste les bras tendus. Hein. Ok, je reviens doucement en remettant là, les fesses sur les talons sans chercher l'étirement. Les bras devant tranquillement. Et je remonte en soufflant. Ok. Et là, on va en faire un petit dernier. Donc là, soit vous pouvez rester comme ça, hein, soit sur le tapis, je vais vous montrer sur le tapis, soit debout. Donc là, je me mets contre un mur ou je peux le faire debout. Donc je recule la jambe, là j'étire, hein, mollet, je fléchis devant le buste vers l'avant, le pied, hein, pas sur la même ligne, pour étirer le mollet. Voilà. Soit dans cette position, soit je peux le faire. Donc là, je fais les deux côtés, hein. Soit sur le tapis, donc là au départ, j'ai les poignets alignés avec les épaules, genoux, hanches, pareil, alignés. Je vais mettre sur la pointe des pieds et je vais reculer voilà, les pieds. Je vais garder là, le dos droit. Hein. Si ça tire trop, je ravance, je recule un petit peu les pieds. Voilà. Allez, attention de ne pas faire une hyper extension ici au niveau des coudes. Sinon on peut fléchir un petit peu les bras. Allez, il faut que j'essaie que les talons restent au sol. Hein. Sinon, je le fais debout si c'est trop dur. Hein. Ok, je repose doucement les genoux au sol. Et je remonte doucement, une jambe en appui, je souffle en montant. Okay. Allez, là, j'inspire, je me grandis, j'attrape les deux mains et je vais souffler, relâcher, aller chercher le sol. Voilà, doucement, je souffle en remontant, on va recommencer une fois, j'inspire, je me grandis. Je peux même mettre la tête en direction du plafond. Et après, je relâche doucement. Ok, je remets la tête dans l'axe, les épaules dans l'axe. Ok. Eh bien, merci à vous. J'espère que ça vous a plu. Donc, première partie, hein, c'était sur les automassages. Donc, voilà. Donc là, l'idée, moi, j'ai des adhérents qui font des automassages aussi. Donc, c'était pour leur montrer qu'ils pouvaient continuer de faire un petit peu hein, chez eux. Hein. Après si ça vous a plu dites-moi et puis on pourra sur les prochaines séances hein, sur le prochain vendredi faire un petit peu des deux ou faire que stretching voilà. Comme vous voulez. Donc je vous souhaite une bonne journée et prenez soin de vous et à lundi du coup hein, à 10h pour Gym 12 Pilates. Voilà, merci.